Assalamualaikum ou marhaba bikoum fi une nouvelle vidéo. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de mes sourcils? معناها بالحق يظهر لي اكثر حاجه ظاهره في وجهي ده مي سورسيل. Mais juste عملت quelques étapes في الروتين نتاعي et j'ai juste gardé les yeux et la bouche sans rien du tout. On va tester quelques nouveaux produits. Can't catch a break في الدار والله. En plus, je suis sûre c'est un truc qui me concerne معناها. Donc la palette اللي باش نستعملوها اليوم اللي باش نجربوها First Impression et Revue, ça va être la palette Profusion Cosmetics et c'est la palette Naturals 24 Shade Eyeshadow Palette and Brush. Le brush qu'il a, on sait tous, en fait, c'est une marque qui est fatale et à la base, je pensais que c'était une marque qui a fait fatale. Le genre de marque qui est chez un revendeur qui a fait la marque. Donc je pensais que c'était ça à la base. Il y a un événement dernièrement, ils nous ont donné les nouveautés et c'est une marque américaine. Je suis à côté de la plaque, sinon pour tout le reste de mon make-up, je vais vous les produits en barre d'infos ou Dima d'ailleurs, je vais faire une vidéo. Dans toutes les vidéos, je mets ce que je porte plus le make-up que j'ai et vous verrez les produits même si j'en parle pas fait une vidéo. C'était facile. Le premier truc que j'apprécie à la protection, c'est une protection à Katotnaha. Et voilà, je trouve une palette, elle est la protection de l'estra. Généralement, elle est juste tu essaies de l'attraper. Donc ça, c'est bien, elle est protection l'estra. Ça, c'est cute. Haja thania que j'ai apprécié et ce que j'allais dire à la base, c'est le fait qu'il m'a essayé mis les fards à paupières, chaque fard à paupières. Bon. Il est pas mal, la partie qui estompe elle est pas mal, par contre j'ai des réserves, j'ai des pinceaux qui ont la même rigidité que bref, on va commencer. Pour protéger le teint ou le make-up, il y a mal tout déjà, c'est que je vais mettre de la poudre comme ça au cas où femme du fallout ou des ou là les fards sont très poudreux le teint derrière mais il couliche le fond de teint. Je vais appliquer un correcteur à la rinaya. Je me stimule quand même le pinceau aidé avec la palette parce que le côté qui estompe il a l'air pas mal et je vais prendre la couleur. On va prendre une couleur qui est ici sur fait parler parce que femme a pas mal de couleurs qui fait hein. On va prendre Likeable. Elle est assez poudreuse quand même et je vais fixer mon correcteur. Comme ça je peux analyser de près. Effectivement la couleur m'a mais c'est pas grave parce que je voulais juste une couleur et elle va fixer le correcteur. Un look orange mais j'ai l'impression que je viens de faire un look orange donc je vais quand même faire un look orange. Je vais prendre la couleur Outgoing, elle est assez poudreuse et je vais mettre la couleur juste le creux interne. Comme je vois, la pigmentation parce que j'ai pas l'impression du format. Ça se voit un peu plus que la ligne. C'est assez poudreux. Plus j'applique, plus faut mettre de la poudre. En fait, sur le visage plutôt. On va passer à la couleur d'après. Et là, ça va être la couleur Zing. Donc je vais la swatcher, c'est un marron froid. Je vais approfondir un peu le creux. Donc je prends tout le creux, le col. Moi juste le coin externe. Et je vais pas estomper aussi haut que la couleur l'iqbal, elle est Outgoing. Je vais le concentrer sur le creux des yeux. Kif kif, la couleur EV, elle est assez poudreuse. Qui te t'attaque le pinceau, il y a pas mal de poudre partout. J'aime bien le look. C'est un look que je fais tout le temps. C'est les couleurs que j'aime. Mais j'aime bien le rendu et la pigmentation jusque là. On va passer à une autre couleur. Elle est la couleur Outspoken. Qui est juste là. Donc la couleur est là. En fait même pas n'arrive.
On a juste... Non, mais j'essaie d'approfondir le creux et de donner plus de dimension au look. Donc, on fait les couleurs foncées, on fait le coin externe, voilà. Wallahi, j'aime beaucoup le look. Yes, c'est l'air joli. Les couleurs marlehum. Ajbouni, pigmenté. Ça s'estompe assez facilement. J'ai pas l'impression que les femmes ont une couleur à caca, je te fais l'endroit où je l'ai appliqué. Donc ça, c'est bon. La caméra va pas se parler, mais quand nous avons la couleur Fearless, c'est un orange brique. Et je l'ai appliqué sur la paupière mobile. Mais j'ai aussi estompé choya vers le haut. Je trouve assez cohérent avec les couleurs que j'ai fait balle. Par contre, même si elle est très pigmentée, j'ai l'impression qu'elle elle s'estompe pas facilement. Donc on a un petit problème. Et par contre, à parler sur le visage. On va prendre une couleur irisée et puis nous avons la couleur Pixie. Je vais prendre la couleur Pixie et je vais la swatcher. C'est juste des paillettes. Mais j'ai réellement un fard. Oh! Désolée, on va pas avoir de problème. D'un côté, la couleur elle est magnifique, mais c'est pas un fard irisé, c'est plutôt des paillettes. Et tout comme les pigments libres. Est-ce que c'est ça? C'est pas vraiment. C'est juste beaucoup de paillettes qui sont en train d'être déposées à la rinaille. Très difficile à utiliser déjà. Et notamment, j'essaie de l'appliquer. Et le produit match, il est plus aussi pigmenté que. Manta l'inédé n'est pas aussi pigmenté que l'inédé. Bon, la couleur est même si manta mahlea fait un beau reflet. J'ai l'impression que c'est juste des paillettes, voilà, un pigment libre. Et il est tellement libre que j'ai pas appliqué la couleur et pourtant j'ai plein de paillettes sur le fard marron Liarmalto. Je vais prendre la couleur Excited pour voir. Est-ce que c'est la même chose ou elle l'est? J'ai l'impression que ça va être la même chose. Et c'est un champagne. La couleur est... Non, c'est pas ça. De passer au reste du visage, je vais swatcher les couleurs et doma blouhda blouhda et on va voir ensemble ce qu'il en est. Est-ce que les couleurs irisées le col khaybin ou elle allait. Donc on a la première rangée hedaya, on a Sugar, Polite et Likeable. Les trois couleurs d'après fnafs le safa, on a Heavenly hedaya, on a la deuxième c'est Talented et la troisième c'est Attached. Donc les deux dernières couleurs la première rangée, donc on a Fling, c'est un mauve très froid. Wana Enchanted, c'est un gris irisé. La texture elle est beaucoup mieux que la texture des autres couleurs irisées. La deuxième rangée, la couleur Chatty, Silky et Outgoing. La couleur Lula, Chatty, c'est un rose irisé. Et la texture, c'est le mahla. J'aurais dû utiliser cette couleur. Ça c'est un irisé réussi. C'était la galère. Donc on a Dull, Terrific et Fearless. Et Fearless c'est le orange qui a déjà mal tout fait. Terrific c'est un bronze et la texture ou la pigmentation mais les couleurs que j'ai utilisées. Les deux dernières couleurs de la rangée Thénia, on a Edoumasouz, Amour et Sleek. Edoumazou, c'est des mats très crémeux. C'est le mahlem fium des paillettes, donc c'est pas vraiment des couleurs irisées, c'est juste des mats. La troisième rangée, donc on a Excited, Pixie et Outspoken. Après, on a la couleur Clever, Zing, et Thoughtful. Les deux dernières couleurs qu'on va swatcher, Cozy et Nightlife. Tarfou! Je pense que je n'espère pas la couleur est terrific. Je vais l'utiliser. C'est très très bien le bronze. Magnifique.
il est temps de passer au mascara. Puis nous avons un nouveau mascara de la marque Isadora. En fait, femme a beaucoup de mascara. Il est meilleur, je bouniche. Je crois que c'est l'image que je bouniche. Mais il y a beaucoup de mascara, l'image bouniche, mais je veux quand même en parler. J'ai l'impression et là j'ai un goût très spécifique maintenant. J'aime de haka de bossile qui est une la fossile, mais réellement il y a juste mascara. Donc j'en parle quand même. Après j'ai l'impression les peut-être la mouche l'arbitre col kiffi et je leur donne du crédit les mascaras et donc ils donnent du volume. Ils allongent les cils ou ils sont pigmentés ou ils durent toute la journée la hajaké, mais ils n'ont pas les critères liés à je les cherche le col fi un mascara. J'ai l'impression il allonge super bien les cils à ma. C'est pas ça. Il ça va pas être ça. Bah, la caméra passe et entre temps il y a eu un changement de vibe de ma part. J'ai essayé de faire plusieurs couches du mascara HD et en fait j'ai trouvé une astuce. Norme elle fait des mouvements avec des zigzags à la racine. Et ça a super bien séparé les cils. Et pour le rouge à lèvres, on va utiliser le Clinique Pop Liquid Matte. Même si je les ai depuis un moment, il est dans la référence 02 Pop Flame. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est un rouge à lèvres rouge que je voulais tester. À la khater, bientôt, je vais faire ma vidéo sur mes rouges à lèvres rouges préférés. Donc, Habitchouf, est-ce qu'il en fait partie ou pas? Mais par contre, l'applicateur Kaboura Hakea Mahle. Pigmenté. Mmh, la couleur. L'applicateur il facilite l'application au niveau du contour. Donc tu fais moins d'erreurs, surtout avec un rouge à lèvres rouge. C'était ma première impression. Deuxième première impression sur la couleur, magnifique, un super beau rouge. Et troisième chose, il n'est pas très positif, le fait qu'il est super liquide ou pour un rouge à lèvres mat, il est assez liquide pour le moment. Et c'est le genre aliment sarsené. J'ai l'impression qu'il ne pourra pas sécher à crème laquée. C'est le genre de rouge à lèvres il est laqué, mais mat. Mais pour le moment, la texture est confortable. Elle n'est pas très asséchante ou l'aspect mahléha l'akhr. Et surtout c'est très pigmenté et c'était facile à appliquer. Voilà, donc il y a le feedback du moment de Rim Mta. C'est arrivé. On a joué comme dans quelques heures, puis je crois comme si j'ai changé d'avis et si tu bats de l'étrage au niveau du make-up. Alors, t'as dit de ça en os. Les akal chouem, ça en os, il y a même juste l'ouart au ralenti. Mais normalement comme quand même une petite mise à jour, je suis en train déjà d'éditer la vidéo les codes salfatawa parce que je veux la mettre en ligne. Et le comble dans tout ça, c'est que c'est même pas la vidéo que je voulais filmer pour ce dimanche. Et là, le jour où je filme, on est vendredi. Ou la vidéo que je veux poster pour dimanche, peut-être ma savartèche. Bref, ça va m'a hassilo. Donc, mise à jour sur les fards. Le phare irisé, dès qu'elle est marjubniche, oui, no how. Pixie, presque ma patch, et tant mieux, parce que c'était pas au top. Mais par contre, l'autre phare irisé, il y a je venir à l'heure, terrific. Et l'ihoa, c'est pas du tout la même texture que le phare Eveka. Alors les finis, il y a inclus Hunay, enfin un fini mat, un fini satiné et un fini pailleté. Donc Ena, du coup, je pense que les finis pailletés zouz ou mal image bouniche ou les finis satinés ou mal image bouniche. Les pailletés ou mal zouz et mal les hatites ont fait le coin interne, ils ont pixie ou excite, des deux comme image bouniche. Et les finis satinés, ils ont terrific, ils ont ramlé tout fait le coin externe, au col, et des cas, ils ont et la couleur est des cas, ou là, pour le rouge à lèvres, toujours intact, mais il faut dire, m'zit ma chrap chata kesme, m'arnet à mon kamal chrap tmti, m'zit ma tachich. Et je n'ai trouvé personne. Tout le monde est occupé. Par contre, il tâche un peu les dents. En soirée, voilà, il faut faire attention. Le mascara, style cute, j'aime bien. Le montage de terre jusqu'à ce que la petite se refaire. Oui, j'ai trop faim. Et le truc, c'est que je fais les légumes. Ou le ham au téléphone et puis nous dans 3, 2,
un vibreur malheureusement. Finalement, je suis allée à Tabora pour dîner. J'ai pris un mal de crevettes ou des légumes grillés et Honestly, de chez Honestly. J'ai même pas fait de retouche. Bon, sur les bords, ça a débordé un peu. Sur les bords, enfin, un petit problème de débordement, c'est logique. Le rouge à lèvres, Amasatroni, je n'ai pas fait de retouche. Alors que Kelly crevette. Maintenant, je suis en sécurité au point où je m'en coule Kelly. C'est sûr, ce rouge à lèvres, il est sans transfert. Moi, je suis rate de le moi, je suis rate de faire ta bora. Mais je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à ça. On est officiellement la fin de la journée, donc la fin de la revue. Tu vas choisir la film pendant comme 30 minutes, 40 minutes. À ma berjoulée, c'est les chaos, c'est les filles. Moi, je suis fajara. À ma fille, suspense, elle est bidjik fajara. On partit comme à tête vierge. Donc, j'ai décidé que moralement, je pouvais plus supporter. Et en plus, déjinénoum. Donc, il est temps de conclure cette vidéo. J'en suis comme la dernière mise à jour, plus la conclusion. Nebde ou bel mascara. Ok, je devrais m'expliquer. En fait, c'était le jour du match bin Taraji ou l'équipe le Masraya. Bouya était super excitée. Alors là, les buts, les marqués comme l'espérance. Donc, c'était car les choses, c'est mon fils. Fais l'arrière, t'as des calcul. Voilà. Ça te connaît, j'ai jamais vu mon père à Kara. Jamais. Andy, j'ai jamais vu mon père à Kara. Bref. Je suis contente pour lui, Farhan, il est vraiment à en plein. Mais il y a un taché, il était à cacher. Ou trop j'allais, Michel Manège. Hassilo. Nebdeo bel mascara, le Isadora, grand volume, lash curler. J'ai l'impression, il m'a fait fatch bash le produit. Juste un peu, fait la ligne d'ailleurs, quand ma choix est fat fit, le mascara tard. Mais j'ai terminé de Théopt ou Aïni Dama. Donc ça peut être dû à ça, mais sinon, mes élèves de Drohu et le volume Mahle, je me vois l'utiliser une autre fois. Juste, j'aurais aimé, il casse un peu plus mes lessives. Il donne un effet fossile, acteur chouette. Mais sinon, je dirais que c'est un bon petit mascara, je lui donnerai un 8 sur 10, c'est le mascara. Pour la palette, j'observe à Kafirina et on trouve ce qui se passe. J'ai l'impression que les couleurs mes élouchées d'Ine ou Mulham Reglin. Je suis vraiment impressionnée. Femme juste les couleurs Noxo Choua et qui m'ont comme Khatani Kbili qui a Théopt. Donc j'ai pleuré Choua qui a Théopt. Je sais ce que c'est la barque qui a Théopt. Sinon, sur les paupières, il y a les couleurs et mes élou Mulham Reglin. Ça fait presque Khadeta. Ça se voit à quelques et mes élus mahlehom. Donc, j'aime beaucoup, à part les deux couleurs et de comme il y en a, donc on le fait au long de la vidéo. Maj bouniche, mais par contre, toutes les autres couleurs que j'ai essayées sont très très belles. Il faut que j'essaye un peu plus les couleurs et d'homme à foncer, ou narti comme une revue définitive sur toute la palette. Mais haka, j'ai l'impression que c'est une super palette à avoir dans sa collection. C'est une palette neutre, fait des couleurs, il y a comme qui comme ta colium, elle a des couleurs de soirée et je trouve que globalement elle est réussie. Donc c'était une bonne petite découverte la marque. Après le rouge à lèvres, l'Ihoa, c'est un petit oui. En fait c'est un oui conditionnel, je crois. J'ai l'impression que la texture elle est super confortable, la couleur elle est magnifique, l'applicateur il est magnifique. Le seul souci que j'ai c'est que je suis contente, mais les bords, c'est pas ça du tout. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins liquide, on va dire. Même si je suis sûre qu'il est confortable, alors la texture elle est liquide, il y a un primer intégré dans le produit. Donc j'ai l'impression lié, c'est le mahlé. Mais c'est pas un rouge à lèvres auquel je ferai confiance. J'ai une longue journée devant moi. J'ai l'impression que c'est le genre de rouge à lèvres. Mais en même temps, c'est pas un gloss. Donc la texture mahlé, elle est entre un mat et un gloss. Mais je suis là qui m'a choqué. Divisé par rapport à ce rouge à lèvres. Voilà, c'est ma conclusion sur les produits que j'ai testés. Yuma, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo. Je vous emmène avec moi, fais une revue, un petit vlog et tout. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, au kololi shnerai comme en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche. Et juste par là le bouton s'abonner, comme ça vous recevez une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Merci encore une fois, bouskom bacha et à très bientôt. Bye!